C'est quoi ça? Ah bah roule au milieu de la route, je préfère. Parce que là... On va se calmer frérot, c'est 50 là, il y a le radar. Attends, qu'on est obligé de cacher mon compteur. Ah il va falloir que je le cache mon compteur. Joli votre casque, merci. Merci les jolis mon casque. Bon, on va mettre un peu de musique. Je le sais, les fleurs du jardin se fanent et je le sais. Ton odeur sur l'oreiller, je le sais. Tout l'été pour ne plus voir le jour se lever. Tu sais, j'aurais pu être chanteur, moi, putain. C'est beau, c'est chaud, t'as mis le faux plateau et ça, j'achète. Est-ce qu'on va au départ d'une course? 5, 4, 3, 2, 1. Eh non, il reste encore 4 secondes. C'est chaud. Ouais, je te jure, on sera au départ d'une course. Coucou. Vas-y frérot. Alors lui, il a tout compris, il est pas prioritaire, mais vas-y. Ah, tête de mort. C'était chaud là. Ah c'est pour ça que je me méfie toujours là toi. Bon, voilà, t'as vu un peu la vidéo, j'ai failli mourir. Alors je vais analyser un peu cette vidéo. Parce que c'est souvent on dit ah c'est les automobilistes, bah, c'est leur faute, ils m'ont pas vu, ils m'ont pas entendu. Et bah là si j'avais tapé la bagnole, et bah ça aurait été entièrement de ma faute. D'une, j'arrive dans une zone industrielle, donc c'est limité à 50. Déjà, je devais être au moins à 80. Et de deux, la personne, ça va tellement vite que bah, elle n'a pas le temps de me voir arriver, quoi. Donc, bah voilà. Là, ça aurait pas été la faute de la personne qui m'a un peu coupé la route en sortant de son entreprise. Mais voilà, c'est pour vous dire que bah, faut pas non plus tout le temps rejeter la faute sur les automobilistes. Parce que bah, les motards aussi, ils y sont pour quelque chose. Parfois, t'arrives tellement vite que bah, la personne en voiture, elle a regardé à droite, à gauche. Et elle n'a pas le temps de regarder encore une autre fois à droite qu'elle commence à y aller. Mais toi, t'arrives tellement vite bah, qu'elle te voit pas, mec. Donc, bah voilà, petite analyse de la vidéo. Mais là, oui, ça aurait été entièrement de ma faute. C'est pour ça, je sais que j'arrivais un peu vite, tout ça, mais je me méfie parce que bah, c'est les sorties d'usine. En plus c'était le temps de midi, donc c'est sûr que t'as tout le monde qui sort. Donc bah, j'étais déjà sur mes gardes, c'est pour ça bah, que j'ai pu freiner à temps,
J'ai pu faire le petit évitement. Mais voilà, si tu t'y attends pas, bah ça peut cartonner. Voilà, c'était la petite analyse de cette vidéo, mais c'est bien d'analyser et de dire que quand c'est ta faute, c'est ta faute. Voilà, il ne faut pas rejeter la faute sur les automobilistes tout le temps. C'est pas tout le temps de leur faute. Mais ouais, c'est vrai que ça arrive tellement vite en moto, c'est l'accident, ça va tellement vite. T'as le temps de rien faire que bah, t'es déjà en train de faire le vol. C'est pour ça, faites attention. Je sais que c'est pas évident. Mais voilà, moi, quand j'arrive dans une zone commerciale, une zone industrielle, bah déjà, je sais que les gens, ils vont pas faire attention, ça va vite. Et puis de deux, dès que je vois une intersection, un stop, n'importe quoi, je suis déjà sur mes gardes. Parce que je sais que ta voiture, elle peut griller le stop, on peut griller le feu rouge. Et voilà, ça peut aller vraiment, ça peut aller vite en fait. Donc dès que toi je vois un stop, tout ça, et que je vois une voiture qui arrive ou quoi, bah déjà je suis méfiant, je suis déjà sur mes gardes, j'ai déjà mes mains et mon pied sur le frein. J'ai déjà désaccéléré aussi. Mais je fais toujours attention. C'est surtout là le plus important, c'est tout ce qui est intersection, croisement. Faut vraiment faire gaffe, gaffe, gaffe. Voilà les gars, c'était la petite analyse vidéo. Bah j'espère que ça vous aura appris quelques petits trucs. Parce que bah, moi ça m'apprend des choses. Parce que tu vois, je serais arrivé serein. comme si rien n'allait m'arriver. Je roule comme si j'avais 9 vies. Et bah voilà. Salut frérot. Et bah voilà, il m'aurait arrivé une bricole en fait. Donc allez, faites gaffe à vous. Ah, oh, comme il arrive à fond lui. Oh, qu'est-ce que tu fais là toi? T'as vu comme il est beau. Il s'est barré, il a eu peur. Ah, petit renard. Ah, j'ai bien cru qu'elle allait pas s'arrêter. Salut à toi mec. Ah, il y en a plein, ils me font des coucous quand même. Le lapin fait son effet. Merci à toi mon copain. Ah, combien je suis? 31, attention. Ah, gars, je suis bien moi. 30, frérot. 28, 25. Ouais. Hey. Pas une médaille là à donner quand même? Non, sérieux. C'est rare, hein? T'es bien planté dans les bois, les frérots. Au frais. Voilà, bah, les amis. C'est sur cette fin de vidéo que je vous dis à très bientôt, les amis. Allez, à une prochaine vidéo.